Bien bonjour tout le monde, je dis là, mon caille fait un petit déjeuner spécial. Mon caille mette petit brin farine, manioc à dans l'eau. Mon caille tourne, 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 mon caille tourne. Bonjour, bon, moi on part comme ça. En caille tourne, encore, 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 on caille ajouter petit brin encore. Mon caille mette comme ça, il est un peu cristallisé. Voilà, voilà, voilà. Moi mettez farine manioc. Moi mettez farine manioc. Moi qu'a continuer tourner, 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 tourner. C'est qu'on s'appuie. Tourner, tourner, tourner. Il vient comme ça. La la la, la la la. Après vous connaissez ça au Adam. Ou ka mette sa ouve Adam, ou ka mette sa ouve Adam, ou ka mette sa ouve Adam. Padadadadete, ou pe mette sel, ou pe mette sik, sa ouve Adam. Dida mwen ka deside mette ti blan janjan. Alors ti blan janjan les ananas, c'est ça que j'ai entré manger. Donc j'ai mis un petit peu de beurre, tu sais, un peu de beurre, pas grand chose, hein. Vraiment une noix de beurre. Et avec du janjan caramélisé. Voilà, comme ça, j'avais envie de me faire un petit, un peu comme ça, voilà, je laisse comme ça, je tourne un peu, donc de l'ananas, hein, avec un peu de gingembre, voilà, et que je vais aujourd'hui manger avec une farine de manioc. Alors, ce qu'il y a de bien avec la farine de manioc, comme j'avais vu que je l'avais préparée, c'est que vous pouvez le préparer comme ça, pour le préparer salé, mais aussi sucré. Voilà. C'est une mamie qui m'a donné ce petit conseil. D'ailleurs, que je salue au passage. Voilà. Mamie Tételle. Et elle me disait, fais comme ça et tu verras. Donc après, tu mets ce que tu veux dedans. Donc là, c'est du gingembre. Ah, si vous voyez bien, c'est du gingembre. Donc maintenant, je laisse cuire un petit peu, histoire de... du piment, enfin pas pimenté, mais histoire de bien laisser fondre un peu le gingembre, comme ça. Et là, je vais passer à mon plat. Ça y est, mon petit déjeuner est prêt. Et je vais prendre ça, aujourd'hui avec un petit jus de groseille, bien sûr, fait maison. Fait maison, je dirais plutôt chez Lulu, au jardin de Lulu, c'est je l'ai pris. Et il est sans sucre. Voilà, donc ça, c'est, ça y est, c'est fait. Et maintenant, bien sûr, je commence à préparer ma belle assiette parce qu'il faut que ce soit du visuel, on est d'accord, hein, aussi. Manger, c'est aussi ça. C'est manger en conscience, mais avoir aussi un beau visuel. Il faut que ce soit bien présenté, voilà. Donc là, j'ai ma petite farine de manioc que j'ai mis aujourd'hui sans sel, sans sucre, sans rien du tout parce que je vais rajouter des choses sucrées aujourd'hui. Et je rajoute... comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et je mets cette petite sauce. Comme ça. Voilà. Donc. Et je vais accompagner mon petit déjeuner de groseilles sans sucre. Misador. C'est eux qui font ça. Donc j'ai trouvé ça au jardin de Lulu. Voilà, comme ceci. Je vous montre un peu la bouteille. Voilà, j'ai trouvé ça chez le Jardin Lulu. Misador, Tigroseille Pays. C'est du sans sucre. Je trouve ça vraiment top. Voilà. C'est mon petit déjeuner du matin. Voilà. Soyez locavores. Soyons locavores. Mangez en conscience. C'est ça en vrai.